Et c'est quoi déjà le jeu là, Never Say Yes là? Never Nest to Everness. Et du coup ça c'est un nouveau jeu gacha open world. Oula, c'est bien coloré, hein. C'est quoi? C'est un clip TikTok ou c'est un trailer? Non mais tranquille, en vrai le trailer il est bon, hein, mais si tu veux, mais bref, hein, c'est... Quel le... Enfin, vas-y, hein. Au calme, hein. Okay. Ambiance Splatoon, le délire. Et par contre, le trailer, il va vite, hein. Oh, calme! Garde ton calme! Je suis calme. Mais franchement, j'ai du mal à comprendre. Ça va vite, hein. Faut être un excité. Par contre, l'animation, elle est super fluide, hein. Une moto? Don't forget the rush fee. Thanks. Metal all you want. Count me out. How about we work off some calories? En vrai, c'est super beau. Il y a une question que je vois déjà dans le chat. Il y en a, ils se posent les doutes. Où sont les hommes? Il n'y a que les femmes, j'ai l'impression. Ils suivent une direction qu'on connaît déjà. On connaît les directions, mais vas-y. On sait malheureusement, on sait déjà, il y a quoi? Le jeu, il est fait pour les bandeurs. Il y a des trains par contre, ça c'est bien. Il y a eu 3 minutes de trailer, la seule chose que j'ai dit c'est bien, c'est les trains. Voilà, merci l'analyse, hein. Heureusement que je suis là. Si vous n'avez pas vu le trailer sans moi, vous serez choqués. Hein. La map est belle, hein, par contre. Hein. Mais en fait, ça c'est pas Project Mugen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tous les soirs je suis en live sur ma chaîne Twitch. Regarde le gameplay. Et je vais regarder le gameplay. Bon, ça c'est le trailer. Franchement, moi je trouve le trailer, honnêtement, il est super beau, mais je le trouve trop... En fait, c'est tellement dynamique qu'on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe. C'est cool, mais j'ai rien à dire. En vrai, c'est rien. Ça fait penser à Genshin Impact. C'est sûrement un truc comme ça. Il y a une pensée. Il y a 4 personnages, putain, comme par hasard, merde. Le hasard, il fait très bien les choses. Mais c'est qui ceux qu'ils ont fait là, Je vois les HP, ils sont un peu différents. C'est quelle société qui a fait ce jeu là? Tower of Fantasy. C'est pour ça les HP, ils sont comme ça. Tower of Fantasy, c'était fluide quand même, hein. Non? C'est juste le ressenti des coups, c'était pas ouf. Mais là, on dirait un truc plus réaliste, on dirait, je sais pas. Ça ressemble à. Bah, à Genshin. Tu sais, quand elle court, c'est Tower of Fantasy? Les PNJ, ils sont bien faits de malade, hein. Et je trouve ça vraiment beau, par contre, hein. Waouh. Attends, s'il te plaît. Waouh, les jambes. T'es mal, les jambes de ouf. C'est la tribu des longues jambes, ou... Ouais, le pantalon, il est grand de ouf. Hein. Putain, bah, j'espère qu'il y en a, vous êtes pas petits, hein, parce que... Tu vois ce petit perso, tu dis, ah ouais, c'est comme Genshin et tout. Ah bah, non, Jason. Oh, le neuil. Bon, déjà, le meilleur personnage de leur jeu, hein. Ça se voit. On dirait General Shop. C'est vrai qu'on dirait. C'est pour ça que j'ai dit top 3.
Oh, c'est cool le train et tout. Eh, j'aime bien le quartier en soi. Ouah, par contre, ils ont tous des longues jambes, je suis choqué. Ah, franchement, faire un combat contre une poubelle, je m'y attendais pas. Ah ouais, le mob poubelle et le boss distributeur. Au moins, c'est différent, on pourra pas dire qu'ils ont copié quelqu'un. Hein. Là, c'est ouais, dégueulasse. Hein. Si, Honkai Star Raid. Honkai Star Raid l'a fait. C'est quand qu'ils ont fait ça, Honkai Star Raid? En vrai, le jeu, quand même, il a l'air bien fait. Je pense que ça fait un an qu'ils taffent dessus. Minimum. C'est combien de temps? Ah, je pense qu'ils avaient déjà l'inspi avant ça, en vrai. En vrai, je pense qu'ils avaient l'inspi avant ça. Ça se voit, le jeu, quand même. Ce serait plus Yo-Kai Watch que Honkai. Hein. Ouais. Ouais, c'est stylé de zinzin, par contre, comment ils ont un peu structuré leur délire. Après, le gameplay, pour l'instant, tu vois, en mode, c'est classique, je sais pas, j'ai pas l'impression, t'as vu, ça change énormément et tout. Je connais, ça fait comme si on connaissait déjà un peu. Après, c'est vraiment le gacha open world, vas-y, depuis Genshin, tu vois un gacha open world, tu fais, ah, c'est comme Genshin. Quoi? Comment ça? Ouais, c'est San Andreas ou quoi? Comment ça, ça prend le véhicule normal, en mode, ça à toi? Vas-y, écrase des gens pour le gameplay, c'est le... Il commence à partir en couille, hein. Ah non, non, mais je rigole, hein. Bah par contre, en vrai, les mouvements du véhicule, ils ont l'air un peu compliqués, hein. Ils ont l'air un peu compliqués. Bon, tu vas pas conduire comme dans GTA V, mais... Voilà, tu peux rouler au moins, c'est déjà ça. Mais les mouvements, ils ont l'air pas très fluides. Oh, petit dérapage un peu quand même, hein. Un peu. Ah ouais. Ah, tu peux détruire des trucs, du coup, ça, c'est cool, ça. Faut pas demander de rouler à des joueurs de Genshin. Ils connaissent pas, ça. En mode, tu personnalises ta voiture. Il y a les stats. En mode Mario Kart. Los Santos Custom. Bon, par contre, la personnalisation, bon. Ah oui, bon. Bah, vu qu'on est sur GTA V, hein, vas-y, hein, bon. Bah, l'entrée en scène, quand même, mais... Pff, ils se sont pas... Ah, ils ont vraiment fait la même anime que sur GTA, hein, quand tu finis d'avoir ton véhicule. Hein. Bon, en vrai, le véhicule, par contre, il est nul. Hein. La personne... En vrai, franchement, moi, je te promets, juste pour les véhicules... Moi, bon, je dis pas, je vais faire quoi avec les véhicules. Et moi, notre, juste pour les véhicules, mais t'es un malade, moi, les jeux comme ça. Mais j'ai promis, je lance le jeu quand même. T'es fou, ouais, je sais, même le véhicule, je sais pas, on va faire quoi, mais t'inquiète pas, je vais faire. Ça peut être grave gaulerie de ouf. Et la radio, elle a l'air rincée, par contre. La radio, elle a l'air nulle, hein. J'espère qu'on peut changer les sons, hein. La radio, elle est éteinte, hein, par contre. Hein. Mais est-ce qu'il y a un multijoueur? Ça que je me demande. Eh, multijoueur, tu ramènes des gens sur ta map, tu fais des courses de voitures. Ou ascenseur. Le jeu, c'est ZZZ. Ta ZZZ rêverait d'avoir une voiture, hein, dans son jeu. En termes d'inspiration, ça me fait beaucoup penser au Project Mugen. C'est une dinguerie. Tu me dis, c'est Project Mugen? Je te crois. Bon, y a pas le truc Spider-Man et tout. On dirait la même chose. On voit un onglet avec trois petits bonhommes. Mais dans le chat, l'onglet avec les trois petits bonhommes, c'est le menu équipe. Hein. Ouais, je sais pas. Bah après, comme c'est une bêta ou autre, peut-être y a pas un corps. Ou... Bah, vu. Ah, vas-y, allez. Faut aller se faire enculer, les animaux. Ils ont vraiment pris les mêmes animations que sur GTA V. Hein. Je vous assure, c'est des enculés. C'est la même animation que sur GTA V. C'est la même, hein. C'est le même. Les copiages de malades. Vas-y, saute vite fait du bâtiment. Ah, tu sais, le mec qui. Ah, c'est GTA ou pas? C'est GTA. Vas-y, saute vite fait. Saute pour l'expérience. On veut savoir. T'as un open world ou pas? Tum-tum-tum. Oui, elle a fait des figures de Spider-Man, là. Ouais, les rotations. Voilà, là, comment ça fait mal à la tête, par contre. Hein. Gravity Rush. Ouais. Franchement, les décors, ils sont pas dégueux. Hein. Ouais, tu connais, si on compare à GTA, c'est vraiment nul à chier. Faut dire la vérité. Ouah, wow, comment il s'est pas roulé, par contre. Mais en soi, c'est quand même cool. Hein. Pour un jeu gratuit... Ah ouais, jure. Sous vue FPS. Vas-y, écrase vite fait, c'est quelqu'un comme ça pour voir si on peut. Ah, tu fais un gameplay ou pas, chef? Montre-nous si tu peux faire ça.
Mais après, il y a Ghost Rider, là. Oh, le jeu, il est sous champignons hallucinogènes. Mais comment c'est possible que ça parte autant en couille comme ça? Et là, c'est la fin du gameplay. Et bah, franchement, c'est incroyable. Merci les voitures. Les voitures qui ont sauvé le gameplay. On va pas se mentir, les voitures ont sauvé le gameplay. Non, non, en soi, ça a l'air... en vrai, ça a l'air gaulerie. Ça a l'air gaulerie. Ça a l'air sympa. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre gameplay. C'était vraiment juste celui-là et celui-là. Ça peut être sympa à tester. Après, ça nous sort des nouveaux jeux gacha tous les 2 semaines. On a peur qu'on soit encore dégoûté après 1 mois, tu vois. On espère que ça va continuer. Si je peux me permettre, c'est déjà mieux que Zenless Zone Zero. Quand même, ça me donne plus envie. J'ai plus envie. Tu vois, j'ai une envie qui m'envie. Par contre, ça me fait vraiment penser à Project Mugen, le jeu. Pourquoi il n'y a pas eu d'infos en plus? Pourquoi il sort pas des persos, genre, en mode waouh? Genre, pourquoi ils veulent pas tenter, genre, des persos genre, waouh? Genre, un petit Guts. Le mec, il en demande trop. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les soirs, on enlève sur ma chaîne Twitch. Ça fait plaisir. Franchement, le jeu, il a l'air sympa. On verra.